Nous écoutons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, les versets 23 à 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Yannaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Matathias, fils de Séméïn, fils de Yossé, fils de Yoda, fils de Johanan, fils de Ressa, fils de Zorobabel, fils de Shealtiel, fils de Neri, fils de Melki, fils d'Addi, fils de Kossam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliézer, fils de Yorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Yonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils de Hetzron, fils de Pérez, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Théra, fils de Nahor, fils de Sérug, fils de Réou, fils de Peleg, fils de Héber, fils de Shila, fils de Caïnam, fils d'Arpakshad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémec, fils de Mathusalem, fils d'Enoch, fils de Yéred, fils de Malaléel, fils de Kenam, fils d'Enosh, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Nous prions. Seigneur Saint-Esprit, nous te prions d'écarter chaque ombre et chaque nuage qui pourrait obscurcir notre vue à cause de notre péché. Donne-nous l'intelligence spirituelle dont nous avons besoin pour comprendre ta loi qui est si belle. Après tout, c'est toi qui as inspiré la parole suivante. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, avez-vous déjà fait des recherches sur votre famille? Avez-vous essayé de savoir qui étaient vos pères et ce qu'ils ont fait? Alors, c'est un travail parfois difficile et qui peut prendre du temps, mais qui permet aussi de mieux comprendre ses origines. Lorsqu'on fait un arbre généalogique, on constate aussi que nos parents avaient souvent le même métier ou qu'ils partageaient certains traits de caractère. On peut aussi découvrir que certaines maladies sont récurrentes dans notre famille. Faire des recherches sur sa famille est généralement très utile et intéressant de manière personnelle, mais lorsque nous parlons de nos découvertes passionnantes à nos amis, ils ont plutôt tendance à bâiller. Nos origines ne les intriguent pas parce qu'elles ne les concernent pas. La généalogie de Jésus est différente de celle de nos amis. Peut-être vous êtes-vous ennuyé pendant ma lecture. Cette généalogie devrait plutôt vous intriguer. Elle devrait nous intriguer parce qu'elle nous concerne directement. Elle devrait nous intéresser parce qu'elle peut avoir des conséquences directes sur nos vies. Aujourd'hui, ce matin, Luc nous présente les origines de Jésus, des origines qu'il avait déjà pu raconter dans les chapitres précédents. La généalogie de Jésus que nous avons lue ici est différente de celle de Matthieu, et c'est pourquoi nous essaierons tout d'abord, de comprendre les différences entre les généalogies de Luc et de Matthieu. Ensuite, nous verrons l'humanité de Jésus. Enfin,
nous verrons que cette généalogie nous parle aussi de la divinité de Jésus. Alors, dans un premier temps, étudions les différences entre les généalogies de Luc et de Matthieu. Pourquoi ces deux généalogies sont-elles différentes? Je ne vais pas relire toute la généalogie de Matthieu. Je vous propose simplement le premier verset, Matthieu chapitre 1, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. À partir d'Abraham, Matthieu descend toute la lignée des enfants jusqu'à Jésus. Lorsqu'il écrit sa généalogie, Matthieu écrit à des chrétiens d'origine juive. Il écrit à des descendants d'Abraham, à des descendants de la promesse. Matthieu veut donc montrer que Jésus est le Christ qui était promis à Abraham, qu'il était le Messie, le Sauveur du peuple de Dieu. À partir d'Abraham, Matthieu fait donc toute la liste des fils. D'après la majorité des commentateurs évangéliques, l'expression « fils » dans la généalogie de Matthieu désigne plutôt les héritiers. Abraham a pour héritier Isaac. Isaac a pour héritier Jacob. Jacob a pour héritier Judas, etc. On arrive ensuite au roi d'Israël, avec David. Salomon est l'héritier de David. L'héritier de Salomon s'appelle Roboam, et ainsi de suite, avec toute la liste des rois. On retrouve ensuite Shealtiel, Zorobabel lors du retour d'exil, et la liste des héritiers continue jusqu'à aboutir à Jésus. Ici, il faut faire une différence entre les héritiers et les fils. C'est parce que certains fils ont pu mourir avant d'hériter de la promesse de Dieu. C'est aussi peut-être que certaines fois, ce ne sont pas des fils, mais des neveux ou des cousins qui ont hérité. Voilà ce qui peut expliquer la différence de nom entre Matthieu et Luc. Comme Matthieu s'adresse à des chrétiens d'origine juive, il décide de descendre la généalogie d'Abraham jusqu'à Jésus. Il commence par le point commun avec ses auditeurs jusqu'à arriver à la révélation de Jésus. Luc s'adresse à un public tout à fait différent. Le destinataire de Luc s'appelle Théophile. Nous l'avions vu dans le prologue de cet évangile, au chapitre 1er, le verset 2. Théophile n'était pas un chrétien d'origine juive, il était plutôt d'origine grecque ou romaine. Alors Luc n'a aucun intérêt à remonter seulement jusqu'à Abraham, qui est l'ancêtre des Juifs et du peuple de Dieu. Luc veut montrer que Jésus est relié à tous les hommes, et que c'est parce qu'il est relié à tous les hommes qu'il peut être le Sauveur de tous les peuples. Voilà la raison pour laquelle Luc remonte jusqu'à Adam, notre premier père à tous. À partir de Jésus jusqu'à Adam, Luc fait toute une liste de fils qui ne sont pas des héritiers de la promesse, contrairement à Matthieu, mais de fils qui sont les fils naturels. On pourrait le dire autrement, les fils légaux. Voilà la raison pour laquelle la généalogie de Luc commence par Jésus pour remonter jusqu'à Adam, qui est le père de tous les hommes. Jésus est le fils de... Jésus est le fils de beaucoup de pères humains, ce qui montre
que Jésus est lui-même un humain. Dans un deuxième temps, du verset 23 au début du verset 38, nous voyons l'humanité de Jésus dans cette généalogie. Jésus est, comme on le pense à l'époque, le fils de Joseph. Et Joseph est le descendant direct de David. Selon Matthieu, il est déjà l'héritier légitime de David à la couronne. Selon Luc, il est le fils légal de David. Alors qui est David ou qui était David? À l'origine, David n'était rien d'autre qu'un petit berger. Mais quand il a eu l'âge d'environ 12-13 ans, Dieu l'a choisi pour être le prochain roi d'Israël. David a dû attendre pendant de nombreuses années avant de devenir roi. Il a vécu des moments difficiles. Il a été persécuté, poursuivi par Saül, qui était le roi à l'époque. Ensuite, David est devenu roi d'une petite partie du royaume, qu'on appelait Juda. Et quand il a eu 30 ans, enfin, David a pu devenir roi de tout Israël, comme Dieu le lui avait promis. En tant que roi d'Israël, David a voulu construire faire une capitale en Jérusalem. Et dans cette capitale, il a voulu amener Dieu pour que Dieu puisse être adoré au milieu de tout le peuple. Et il a fait venir l'arche de l'Alliance. Mais cela ne suffisait pas que Dieu habite dans une tente à Jérusalem. Dieu a voulu construire. David a voulu construire une maison à Dieu pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple, pour qu'il puisse y résider, non pas seulement de manière temporaire, mais de manière permanente, pour toujours. Mais Dieu lui a répondu qu'il préférait que ce ne soit pas lui qui construise cette maison. Dieu, dans le même temps, lui a fait la promesse suivante. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. 2 Samuel 7, les versets 12 à 16. Dieu avait promis un descendant à David, un descendant tout particulier puisque ce serait un descendant qui régnerait pour toujours sur le peuple de Dieu. Ce descendant serait le Fils de Dieu. Jésus, comme nous le présente Luc, est l'héritier et le fils promis dans cette promesse. Il est le fils attendu depuis cette promesse à David. Jésus est celui qui doit venir pour régner sur le peuple de Dieu. Voilà ce que Luc nous enseigne en nous disant que Jésus est le fils de David. Mais Jésus n'est pas simplement le fils de David, il est aussi le fils d'Abraham. Qui était Abraham? Abraham
était un homme qui habitait dans une ville dans le Proche-Orient qui s'appelait Haran. Abraham était un homme très âgé. Et sa femme aussi était très âgée. Ils étaient tellement âgés qu'ils n'auraient jamais pu avoir d'enfants. D'ailleurs, son épouse Sarah était stérile. Un jour, pourtant, Dieu a demandé à Abraham de quitter Haran et de partir pour une terre qui lui serait nouvelle. En lui demandant de partir, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a promis à Abraham que tous les peuples et que toutes les nations de la terre seront bénies par sa descendance. Dieu a promis que l'humanité sera sauvée par un des descendants d'Abraham. Durant sa vie, durant ses voyages, Abraham va douter de nombreuses fois. Et c'est pourquoi Dieu a scellé cette promesse par une alliance. Jésus est le descendant d'Abraham. Jésus est le fils d'Abraham. Il est celui par qui toutes les familles de la terre doivent être bénies. Il est celui qui vient sauver tous les peuples. Jésus n'est pas seulement le fils de David, il n'est pas seulement le fils d'Abraham, il est encore le fils d'Adam. Qui était Adam? Adam est notre premier père à tous. Adam n'a pas de père naturel, il a été créé par Dieu au commencement du monde, au sixième jour. Dieu a pris un peu de terre, il a insufflé un souffle de vie et il a créé Adam, le premier homme. D'ailleurs, le prénom Adam signifie « être humain » en hébreu. Adam est à l'origine de tous les êtres humains. Il est notre ancêtre à tous. Il est celui qui fait que nous sommes tous frères et sœurs les uns des autres. Après avoir créé Adam, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Là, il avait une relation belle, pleine, parfaite avec l'homme. Il a aussi donné une épouse à Adam, Ève, et la relation entre Adam et Ève était merveilleuse. C'était une relation d'amour, une relation d'alliance. Après l'avoir placé dans le jardin d'Éden, Dieu a commandé à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un jour, pourtant, Adam en a mangé. Il a désobéi à Dieu. Il a décidé d'être autonome, d'être son propre Dieu. Et par sa désobéissance, par son péché, le péché est entré dans l'humanité et dans le monde. Après avoir désobéi à Dieu, Adam et Ève se sont cachés de Dieu. Leur relation avec Dieu était rompue. Ils avaient peur. Mais leur relation entre humains aussi était rompue. Adam et Ève se sont sentis nus, ils en ont eu honte. Ils se sont habillés pour se cacher l'un de l'autre. Voilà la première difficulté de couple
qui découlait de ce premier péché. C'est à cause du péché d'Adam que nous aussi, encore aujourd'hui, nous avons une relation perdue avec Dieu. C'est à cause de ce péché que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas naturellement Dieu. Notre péché nous éloigne de Dieu. Il nous rend rebelles contre Dieu. Nous avons peur de Dieu, ou nous sommes en colère contre lui. Nous voudrions le faire mourir, le faire disparaître de nos vies. Nous voudrions nous éloigner de tout ce qu'il nous apporte de bon et de bien, en prétendant qu'il agit pour nous faire du mal. La conséquence du péché d'Adam a aussi, a aussi des conséquences sur nos propres vies et sur nos propres relations les uns avec les autres. C'est aussi à cause du péché d'Adam qu'aujourd'hui nous avons des difficultés dans nos couples, des couples qui divorcent, des familles qui se séparent, des mensonges, des calomnies, des meurtres. Voilà toutes les conséquences du péché d'Adam qui s'est répandu, qui s'est propagé à toute l'humanité, qui s'est étendu à tous ses fils, dont nous sommes aussi. Quelle terrible nouvelle, quelle terrible annonce, quel terrible événement de notre Père à tous. Dieu a puni Adam, mais il a aussi fait cette promesse. En parlant au serpent, il a dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Après la désobéissance d'Adam, notre premier père à tous, celui qui nous a donné le péché, Dieu a promis un autre descendant, un nouvel Adam, un Adam qui serait meilleur, un Adam qui nous sauverait. Cet Adam, c'est le fils de ce premier Adam. Il s'appelle Jésus. C'est Luc qui nous le dit. En tant que fils d'Adam, en tant que nouvel Adam, que second Adam, Jésus est venu nous donner l'espérance d'une vie meilleure, d'une vie renouvelée, de relations restaurées. Paul écrit dans sa lettre aux Romains: la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul homme, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5, les versets 14 et 15 et 18. À cause de notre premier Adam, le péché s'était étendu à nous, et nos relations avec Dieu et avec tous les hommes s'étaient brisées. Destination la mort. Mais avec le nouvel Adam, Jésus-Christ, Dieu promet de restaurer nos relations et de nous donner une vie nouvelle. Mais en quoi Jésus est-il donc différent des autres hommes? En quoi Jésus est-il donc différent d'Adam? Comment peut-il être notre sauveur alors que de nombreux pères avant lui n'ont pas pu l'être?
Un premier élément de réponse se retrouve au verset 23. Et c'est ce que nous voyons dans un troisième temps. Dans un troisième temps, nous comprenons la divinité de Jésus. Au verset 23, Luc raconte que Jésus était, comme on le pensait, fils de Joseph. Comme on le pensait. Joseph a adopté Jésus. Donc Jésus est le fils légal de Joseph. Mais Jésus n'est pas le fils naturel de Joseph. Jésus est le fils de Marie, directement. Mais il est aussi le fils de Dieu. Fils d'Adam, fils de Dieu. Verset 38. Jésus est directement le Fils de Dieu. Il est même Dieu lui-même. Dieu venu en chair et en os. C'est par le Saint-Esprit que Marie est devenue enceinte. Et c'est avec l'aide de Dieu qu'elle a donné la vie à Jésus. En tant que Dieu, Jésus ne pouvait pas désobéir à Dieu. Il ne pouvait pas désobéir à lui-même. Jésus s'est montré parfaitement juste. Plus juste qu'aucun d'entre nous. Jésus, qui était le Fils naturel et éternel de Dieu, a obéi à Dieu mieux qu'Adam, beaucoup mieux. Alors qu'Adam a péché et a désobéi à Dieu, Jésus a fait ce qui était juste. Il a mené une vie parfaitement sainte. Et c'est en tant que Dieu et homme sans péché qu'il a pu porter nos péchés sur la croix pour mourir à notre place, pour subir à notre place la brisure qu'il devait y avoir entre nous et notre Dieu. C'est par sa mort sur la croix et sa résurrection qu'aujourd'hui notre relation avec Dieu peut être restaurée. C'est aussi par sa mort et sa résurrection que nos relations entre nous sont appelées à être renouvelées. Matthieu écrit dans son évangile « Soyez saints comme votre Père est saint ». En restaurant notre relation avec Dieu, Jésus nous a fait descendants de Dieu. Il nous a fait fils de Dieu. Jésus, qui est le Fils naturel et éternel de Dieu, nous a donné l'adoption de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, nous sommes maintenant invités à travailler nos relations les uns avec les autres, à faire du bien les uns pour les autres, à user d'amour, de chaleur, de convivialité, de parler dans la vérité et avec douceur, au lieu de mentir et de comploter dans le dos, de chercher à régler les problèmes ensemble, plutôt que de nous diviser. Cette sainteté nous est permise par le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui sommes aujourd'hui fils du Dieu vivant. Le Saint-Esprit travaille encore notre relation avec Dieu. Il restaure notre relation avec Dieu à travers une lecture quotidienne de sa parole et à travers la prière. Un dialogue continuel avec notre Dieu qui nous fait du bien, qui nous apprend à être chaque jour de meilleurs êtres humains devant Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons ainsi devenir des êtres humains pleinement à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, comme Dieu avait créé le premier Adam. Dieu est en processus
pour nous renouveler et pour nous restaurer. Et bientôt, lorsque notre Seigneur Jésus reviendra, nous serons pleinement restaurés à l'image du Dieu bon, du Dieu vivant et du Dieu qui nous aime. Tout cela, nous pouvons l'avoir parce que Jésus nous a fait fils de Dieu, lui qui est fils naturel et éternel de Dieu. Luc veut nous l'enseigner, Luc veut nous le montrer. Il veut nous montrer qu'à travers la divinité de Jésus, nous pouvons nous aussi recueillir de grandes bénédictions pour nos vies. Voilà quels sont les merveilleux enseignements de la généalogie de Luc. Alors, frères et sœurs, avez-vous déjà fait des recherches sur votre famille? Avez-vous essayé de savoir qui étaient vos pères, ce qu'ils ont fait? Faire des recherches sur sa famille peut être généralement très utile et intéressant de manière personnelle. Mais lorsque nous parlons de nos découvertes passionnantes à nos amis, ils ont plutôt tendance à bâiller. Nos origines ne les intriguent pas parce qu'elles ne les concernent pas. La généalogie de Jésus est différente de la nôtre ou de celle de nos amis. Elle devrait nous intriguer parce qu'elle nous concerne directement. En tant que fils des hommes et en tant que fils de Dieu, Jésus nous donne la promesse et l'assurance d'être nous-mêmes fils du Dieu vivant. Elle nous donne l'assurance d'une restauration et d'un jour où toutes nos relations seront apaisées, calmes. Alors, nous serons dans la joie auprès de notre Dieu. Nous vivrons heureux les uns auprès des autres, dans la paix et dans l'harmonie. Ce sera une vie lumineuse, une vie réjouissante. Tous ensemble, nous voulons maintenant nous lever pour nous préparer à chanter le cantique numéro 152, environné d'un éclat indicible.